Notre inquiétude, justement, toujours par rapport à cette idée d'égalité des chances, c'est qu'on en arrive à un système qui soit même plus à deux vitesses, mais à trois ou quatre ou cinq ou six, et qu'en fonction du bassin, du lycée, ou même des conseils que vous ayez pu avoir et collecter avant, on vous aiguille sur des filières, alors sur des options, comme tu dis, que vous allez pouvoir changer au fur et à mesure de votre cursus, ce qui est très intéressant, je comprends, pour pouvoir découvrir, notamment en seconde, mais qui peut conduire après à des situations pour le secondaire, pour le supérieur, justement, où certaines grandes écoles, par exemple, vont demander à ce que vous ayez suivi telle et telle option dans les années précédentes, et que ben, si jamais vous en avez zappé une en route, ou qu'elle ne vous a pas semblé forcément utile, ou que vous n'avez pas suivi suffisamment de trimestres ou de semestres, si c'était vraiment un système où on pouvait changer un petit peu quand on voulait, qu'on puisse disqualifier un élève qui, somme toute, a voulu simplement faire un parcours personnel, puisque c'est ce qu'on semble vouloir vous proposer.